صفحات الاحرار ودعم الذباب الالكتروني رانا غادي نفوتو لكم رساله منا باللي ما كانش انتخاب ما كانش انتخابات مع عصابات 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 ما كانش انتخابات مع العصابات ما كانش انتخابات مع العصابات Nous sommes là aujourd'hui contre la censure. Aujourd'hui, je vais vous lire avant même de parler. On va parler de la censure. Je vais vous lire une notification que Facebook envoie sur la page des militants pour les cacher et les censurer. Je vous les une que j'ai reçue sur ma page et l'autre qu'on a reçue sur la page de Amir. Pourquoi? Parce que nous défendons la démocratie. Regardez ce que vous envoie Facebook. Facebook vous dit l'accès. L'accès. Facebook vous dit l'accès à certaines fonctionnalités Facebook qui jouit de tous ses droits civiques. Ça n'est pas un criminel, c'est un militant et blogueur pour la démocratie en Algérie et qui publie notamment des posts sur des détenus. Donc, vous ne pouvez plus créer de pages. Non seulement ils ferment ces pages, mais ils l'interdisent de créer d'autres. Dictateur. Vous ne pouvez plus. Les amis, partagez. Vous ne pouvez plus créer de pages jusqu'au 18 novembre. Et bien voilà les amis ce qui se passe maintenant. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui pour défendre le droit des Algériens à l'information. Parce que, après la fermeture d'Al-Maghribia, après l'emprisonnement des journalistes qui ont envoyé des vidéos, je rappelle qu'il y a plusieurs journalistes en Algérie maintenant qui croupissent injustement en prison. Plusieurs journalistes algériens en Algérie, ça se passe en 2019, qui croupissent en prison. Plusieurs jeunes Algériens qui croupissent actuellement en prison parce qu'ils ont élevé un étendard. Un étendard, c'est tout. Et ça n'est pas contre l'étendard national. Au contraire, c'est un étendard de culture et de richesse qui dit nos origines et qui rassemble les Algériens. Ils sont en prison maintenant. Et ceux qui parlent de ces gens-là, qui veulent porter la voix de ces gens-là qui sont en prison injustement, Facebook leur dit « Vous ne pouvez plus créer de page ». Il leur dit qu'on va désactiver certaines fonctionnalités sur vos pages. Il leur dit « Vous n'avez pas le droit à la parole ». Alors, si vous voulez partager des vidéos et des selfies de danse, hein, si vous voulez partager des vidéos de chats qui dansent, qui marchent, hein, si vous voulez partager les photos et les vidéos de vos plats préférés, Facebook vous dit bienvenue. Mais si vous utilisez la plateforme de Facebook pour communiquer contre la dictature, pour la liberté, Facebook vous ferme la page. Voilà ce qui se passe. Les Algériens maintenant, les Algériens sont considérés malheureusement comme à l'époque du colon. À l'époque du colon, les Algériens étaient considérés comme des indigènes. Et je rappelle que le sens d'un indigène, c'est un être humain qui ne jouit pas de la citoyenneté. Et maintenant, les Algériens sont considérés comme les indigènes de l'espace bleu. Les indigènes, ce sont des utilisateurs qui ne jouissent pas de tous leurs droits sur les plateformes de communication, qui n'ont pas le droit à la parole, qui n'ont pas le droit à la démocratie. Pourquoi? Parce que sur cette région-là, c'est Facebook qui décide.
Facebook qui a dit non. Et c'est pour cela que nous, nous sommes ici. Et on va vous le dire, nous n'allons pas arrêter. Nous n'allons pas arrêter. Et notre action dure maintenant depuis 9 mois. Mais je vous rappelle, nous n'allons pas arrêter parce qu'en réalité, notre action ne dure pas. Notre lutte ne dure pas depuis 9 mois seulement. Elle a commencé, on peut la dater si vous voulez, à l'époque, on l'a datée par exemple en novembre 54, quand les Algériens se sont soulevés pour chasser le colonisateur français sur nos terres. Mais, si vous voulez encore plus, on peut aller plus loin dans l'histoire, parce que ça a commencé en 1830. Mais, si vous voulez plus, on peut aller jusqu'à Rome, que nous avons la fierté d'avoir chassé de nos terres lorsque Rome était la capitale du monde. Donc, comme jadis nos grands-parents n'ont jamais eu peur de la lutte, nous sommes les dignes héritiers des combattants pour la liberté, les combattants nord-africains, parce que l'Algérie a toujours été le carrefour. L'Algérie